C'était important pour vous d'être présent ce soir? Ah oui. Depuis samedi, la Ligue de l'Enseignement et SOS Racisme se sont joints à l'appel à ce rassemblement. À Paris, il y a effectivement des opérations de contrôle ciblées aux faciès, tantôt les Asiatiques, tantôt les Africains, en particulier dans le quartier de République. C'est pour ça que nous exigeons du recteur Kenet qu'il reçoive immédiatement la délégation, qu'il retire les propos qu'il a pu proférer et qu'il prenne les engagements qu'aucun des faits, ni arrestation d'élèves, ni arrestation d'adultes, ni poursuite contre les personnels de l'éducation nationale ou des parents d'élèves, que cet engagement soit solennellement pris ce soir devant nous par le recteur de l'Académie de Paris et qu'il soit respecté cette fois. Le responsable du rectorat est en train d'organiser le rendez-vous. Nous voulons qu'ils garantissent à tous les enfants le droit d'être scolarisés dans les écoles sans avoir peur au nom de leur famille et qui garantissent la scolarité de tous les enfants sur les écoles. C'est de leur droit. Ce qui concerne effectivement l'ensemble de tous ceux qui sont aujourd'hui concernés à la fois par les libertés publiques et par l'avenir des élèves qui sont scolarisés dans ce pays. Pourquoi ils ont appris des sanctions dans la mesure où on a fait que protéger les élèves? Il n'y a aucune raison d'avoir pris des sanctions contre elles. Voilà, c'est quelque chose qui fait le danger de ce qu'on pourrait être une élection nationale à la Sarkozy.